Salut, vous regardez le bêtisier d'Afrosique. Permettez-moi de vous faire une révélation. L'année 2018 sera marquée par une grande nouveauté. Et la nouveauté, c'est le nouveau Becherel de l'émission Afrosique, créé bien sûr par Cheyenne Okunga. C'est un secret, ne dites à personne. Suivez. Si on demandait à Bizaïs de se définir, comment définissez-vous? On sait en gros, Mabé, comment définissez-vous? Voilà, Bandela. T'as dit que c'est le plus gros. Comment définissez-vous? Qui venait de vous joindre à nous, nous recevons l'artiste musicien congolais. Voilà Bostino avec lui, nous essayons un peu de retracer son parcours musical et ensemble avec l'artiste, nous allons essayer de vous faire plaisir pendant une bonne quarantaine de minutes. Voilà, français qui nous dit ça. On sait pas si... Voilà, juste une petite question. Pardon. On se retrouve la prochaine fois et je vous laisse en compagnie de notre rubrique Top 5. Et c'est grâce à vous que nous constituons cette playlist. On dit la playlist ou le playlist? Oh là là, ça fait mal à la tête. Vous venez de suivre avec moi. Non, mais Cheyenne, c'est quoi ça? C'est quoi les mots que tu as utilisés? Mais non, attendez. Mais vous savez... Hormis les fautes d'orthographe ou de grammaire, je vous fais une révélation. Ça nous arrive deux fois, personnellement moi, pendant le tournage de l'émission. Ben non, je vois disparaître mon réalisateur et je me mets à chercher. Mais CS, où es-tu passé? Franchement, je n'en peux plus. C'est l'action. Voilà. Kotapona, une très belle chanson signée Bizaïs. J'espère que. Portrait. Ngaïe. Ma maman me bandit. Net bobo zé la tala wat. En fait, j'allais même poser la question de savoir. C'est là. Ok, c'est ça? Oh oui. Ok, c'est voilà. Ça. Parce que franchement, j'ai l'impression que c'était toi. Ok, merci alors. Merci à vous, merci chers téléspectateurs. Et continuez de voter sur notre page Facebook. Top 5, c'est la fin. Hein? Trois, deux, un. Top. Voilà, j'espère que vous avez dansé. Hein? Non, ça, tu feras ça après. Non, mais j'ai dit non. Après, on a comme un invité, c'est d'abord pour tête. Bon, mais personne n'a remarqué qu'il y a un bandit dans le Zimbo. Réalisateur, ça m'a canté. On a conduit. L'amour de la musique mène toujours à la musique de l'amour. Hein? Ah! Manu, quand tu fais ça, moi je vais couper. Comme ça. Toi aussi. Comme ça et comme ça, c'est deux choses différentes. Quand tu fais ça, moi je vais couper. Bizaïs, aujourd'hui, tes fans t'appellent le king du rap congolais. Pardon. Il est où mon réalisateur? Ah, d'accord. Ah, c'est fatigant, je vous assure. Passer toute une soirée en train de réaliser une émission, je vous assure. Et du coup, ça se fait remarquer pendant le tournage, quoi. De la même façon que Gucci me fatigue, je vous assure. La fatigue que nous ressentons pendant le tournage de l'émission, ça donne plutôt ça. Regardez. Action.
L'Afrique est le berceau de l'humanité. La musique est un langage universel. Tout de suite. Ah, bienvenue. Et Bandi. Et à présent, je vous propose de suivre le portrait, question pour nous, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, Inzala. Voilà. À présent, je vous propose de suivre le portrait de notre invité. On se retrouve juste après pour notre... Ozoaka partu, hein. Phrase Alboso Anekimi. Voilà, on va écouter Deng. Question pour nous, hein, de faire découvrir, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de suivre ce clip. Et voici, ou voilà encore ce que... pardon. C'était là le clip Mokosa, signé Assis. Mais à présent, je vous propose de suivre la biographie. Le portrait, hein, le portrait. L'émission Afrozik reçoit pour vous en exclusivité deux grands culturels. Il s'agit bel et bien de Gervais Ugandaï, commissaire général du FESPAM, promoteur du concept Feu de Brasa, et monsieur Henri Gervais. Gervais. Ugandaï, non? Non. Ugandaï, c'est qui? Germain. C'est Hugues, j'ai dit. Gervais, non? Eh, ma comme na lobby na comité na bossani koutou. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de notre page Facebook. Compagnie de quoi? Top 5. La musique donne une âme à nos pensées et des ailes. Pardon. À nos cœurs. Excusez. D'accord. On continue avec cette pluie là. Ok. D'accord. Moi, je suis pas perturbé. D'accord. J'ai fait. Ah, tu es ma soulute. Ils ont ma bête. Madame, madame, s'il vous plaît, il vient d'interrompre l'émission pour empêcher les enfants de passer par ici en tourne. Ok. C'est là, tu vois qui m'aime, moi, qui m'aime. Aïe, 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 ça fait mal, je vous assure. Je ne savais pas que les invités également. C'était des grands bêtisiers. Ben voilà, des grands bêtisiers. Personne n'est épargné dans ce numéro de bêtisier afrosique. À présent, je vous propose de suivre. Eh, ne dites à personne. Les plus grands bêtisiers de nos invités. Je vous ai bien dit, les grands bêtisiers de nos invités. Alors, suivant, on se retrouve juste après pour la conclusion de ce grand numéro de bêtisier d'afrosique. On suit. Ya kozi panga malili nelanga oyo c'est walo bostino chanteur capable nzambi wa bonga wa sa nouveau né. Suivez-moi ce dimanche avec Sheina Okunga dans moteur ça tourne top. Hey ngai Arthur Safrane. Ah pardon, excusez-moi. Et yo, la famille, ici c'est Assis, les boss Sugé, moi c'est Jezel Gucci, Lord Ray, retrouvez-moi dans Afro... Afro... Non, je ne pouvais pas tolérer que je reste longtemps dans un milieu comme ça, avec des gens qui sont... qui ont un comportement. Voilà, on va le prendre là. Je te dis bonsoir là où tu es. Merci beaucoup, mon frère, pour tout son... Tout ton... Je reprends. Je tenais à dire un bon...
Sa photo dit, non, mais ta pose, vos photos, ça va. Yambanga, nous allons recevoir notre invité qui est monsieur Alexandre Bécher. Bécher. Oui, c'est ça. Bécher. Désolé. La musique devait être les mots de l'âme parce que sans elle, la vie serait une erreur. Vous nous regardez de partout. Eh, vous étiez. Parce qu'il y, aura aussi le MISAF. Alors ça se passe pas. Pardon. On va faire du coup là. J'avoue que je ne m'attendais pas à cette question. Monsieur Aimé. Merci à Top TV, je vous dis au revoir et à la prochaine. Mais moi, je n'ai pas salué mes amis. Quand je dis dernier mot, vous le ratez. Moi, je n'ai pas salué. Non. D'abord, ça n'écoute. Au revoir, tu as sali Top 5. On était où même? Gucci, regarde la caméra. Bon, ben écoutez, c'est la fin déjà. Vous avez remarqué, c'était le bêtisier d'Afrozik. Et Gucci et moi, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018. C'est 2018, hein, Gucci? Voilà, 2018. Alors, je tiens à remercier toute la grande équipe de l'émission Afrozik. Merci également à vous, hein, chers téléspectateurs. Nous vous promettons, des innovations, des surprises et dans cette nouvelle saison de l'émission Afrozik. Je vous dis bye bye, à la prochaine.